Fidèles amis téléspectateurs de Dabaro TV, chers internautes, bonjour. Bienvenue sur ce cinquième numéro de votre émission au cœur de la décentralisation. Comme l'émission précédente, nous sommes encore dans la commune de Ndali, mais cette fois-ci avec l'autorité communale qui a pour nom Daouda Sakamere. Maire de la commune de Ndali, nous allons aborder plusieurs sujets avec lui, des sujets qui ont trait au développement de la commune de Ndali, bien sûr, des sujets qui ont trait aux actions qu'il a déjà commencé par mener à la tête de cette commune, celle qu'il compte mener. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes très heureux d'être reçus dans la commune de Ndali par l'autorité communale que vous êtes. Merci. Alors, avant de commencer cette émission, nous allons suivre cette rubrique dénommée Zoom sur l'invité. Suivons ensemble. Daouda Mere Saka est né le 9 mars 1972 à Bouka, dans la commune de Kalale. Il commence ses études primaires à l'école primaire publique de Ouenou dans la commune de Ndali, où il obtient son certificat d'études primaires en 1984. Après l'obtention du CEP, Daouda Mere Saka poursuit ses études secondaires au Collège d'enseignement général 1 de Ndali, où il obtient son brevet d'études du premier cycle en 1988. Il obtient par la suite son baccalauréat au Collège d'enseignement général Hubert Maga de Parakou en 1991. Ses études universitaires à Boumekalavi lui ont permis de décrocher sa maîtrise en sciences économiques et de gestion avec un diplôme en administration des finances. L'homme a occupé plusieurs postes dans sa carrière professionnelle, notamment celui de chef service affaires financières en 1999 à l'hôpital de zone de Niki et chef service affaires financières à l'hôpital de zone de Niki, Kalale Perere en 2008. Il était également chef service affaires financières de l'hôpital de zone de Kandi, Gogounou et Sigbanan, avant d'être chef service ressources humaines à la direction départementale de la santé à Libori et celle du Borgou. Pour son premier engagement dans l'arène politique, avec le parti Bloc républicain, Daouda Mere Saka a été élu conseiller à l'issue des élections communales et municipales du 17 mai 2020. Il sera par la suite désigné maire de la commune de Ndali suite à un accord de gouvernance entre sa formation politique et celle de l'Union progressiste. L'accès à l'eau pour tous, l'éclairage public, la santé et l'éducation sont entre autres les axes prioritaires que Daouda Mere Saka compte aborder au cours de son mandat. Alors, retour sur le plateau avec notre invité. Vous venez de suivre, chers téléspectateurs, le Zoom sur l'invité. Vous en savez désormais plus sur le maire de la commune de Ndali. Alors, monsieur le maire, j'aimerais savoir ce que ça fait d'être la première autorité d'une commune telle que celle de Ndali. Merci, monsieur le journaliste. Accepter d'être maire d'une commune, c'est accepter de rester aux côtés de la population pour le développement de sa commune. C'est ce que j'ai voulu faire à travers ma modeste personne pour la commune de Ndali. J'ai accepté que la commune m'accompagne, la population m'accompagne pour le développement de ma commune. D'accord. Alors, vous avez accepté cette lourde charge et vous avez été désigné par votre parti politique. Vous avez pris les rênes de la commune de Ndali. Dites-nous, quelles étaient les urgences à votre prise de pouvoir il y a quelques mois? Les urgences étaient nombreuses, monsieur le journaliste. Il y avait le problème d'eau criard qui se pose au niveau de la commune. Les populations n'avaient pas d'eau potable à côté d'eux. Ça, c'est la première priorité. Et la deuxième priorité, c'était le problème des pistes rurales que nous avons essayé de gérer, mais jusqu'à présent le problème se pose, mais nous sommes en train de les régler. Ça c'est la deuxième priorité. La troisième priorité c'est au niveau de l'électrification, que ce soit au niveau des villages qu'au niveau des villes. Les villes ne sont pas bien éclairées, nous sommes en train de nous atteler pour résoudre un tant soit peu ce problème-là. La troisième priorité, la quatrième priorité c'est au niveau de la scolarisation, la lutte contre l'analphabétisme dans notre commune, que ce soit au niveau de nos villages qu'au niveau des villes. L'alphabétisation en langue nationale, nous sommes en train d'œuvrer pour vraiment sortir notre population de l'analphabétisme. Voilà des actions qui étaient urgentes à faire. Alors face à ces actions, face à ces urgences, quelles ont été les actions que vous avez menées? Quelle a été la thérapie que vous avez menée de façon urgente pour un tant soit peu donner satisfaction aux populations?
En ce qui concerne la première priorité qui est l'eau potable, nous sommes en train de, en collaboration avec les ONG partenaires et les partenaires techniques et financiers, et d'œuvrer pour les forages des adductions d'eau villageoise au niveau de nos villages. Ça va permettre à nos populations d'avoir de l'eau potable à côté d'eux. Ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est la lutte contre l'insécurité à travers l'éclairage de nos voies publiques et de nos villages. À ce niveau, des lampadaires solaires ont été un temps soit peu acquis pour éclairer les principaux artères de nos villes et les coins reculés de nos villages pour lutter contre l'insécurité. C'est en collaboration avec les différents commissariats de nos arrondissements. La deuxième priorité, la troisième priorité, c'est à travers la lutte contre l'analphabétisme, à travers la création des bibliothèques fixes et mobiles qui circulent au niveau de la commune pour vraiment permettre à nos populations de se mettre en contact avec la lecture. Et avec les fonds FADEC qui nous ont affectés, nous avons pu quand même construire des écoles, réceptionner des écoles qui vont permettre à nos écoliers d'être vraiment mieux à l'aise dans leur site d'apprentissage. Ok, de beaucoup d'actions en si peu de temps, ça montre déjà l'engagement que vous avez, l'enthousiasme à vraiment mener cette commune à bon port. Alors, monsieur le maire, à long terme, vous avez 6 ans à passer à la tête de cette commune. À long terme, quelles sont les actions que vous comptez mener concrètement? C'est-à-dire, lorsque vous allez déposer le tablier dans 6 ans, quelle doit être l'image de la commune de Ndalé sur plusieurs secteurs, plusieurs domaines? Oui, ça doit être une belle image que je vais laisser à la commune de Ndalé. Certes, actuellement, le problème de notre commune, c'est les infrastructures d'accueil. Ndalé n'a pas vraiment des hôtels pour accueillir les touristes qui viennent. Nous sommes en train d'atteler l'ancien site de la Soprema, qui fait environ 6 hectares. On a déjà fait un plan d'urbanisme, le schéma a été déjà fait. Nous sommes en contact avec des partenaires qui vont venir construire un grand complexe hôtelier qui va accueillir nos populations. Parce que Ndalé est un site touristique bien attrayant. Et quand on parle de Kobi ou bien de Ouru, tu ne vas voir le Ouru dans le Borgo à Libori si ce n'est pas Ndalé. C'est un atout qu'on va développer. Tu vas encore le voir dans l'Atakora, mais dans le Borgo à Libori, le Ouru, c'est dans Ndalé. Nous voulons œuvrer pour que vraiment cette danse-là là, puisse être valorisée. Quand on va dire Ouru, soit c'est l'Atakora ou bien c'est dans Ndalé qu'on va le trouver. Ça va permettre quand même d'attirer des touristes qui vont venir vraiment au niveau de la commune, développer notre commune. Ça, c'est au niveau des infrastructures hôtelières et touristiques. Au niveau de l'électrification, dans le prochain budget, nous allons continuer par mettre quand même des actions qui vont permettre d'éclairer au maximum nos principaux artères et nos coins reculés de la ville. Par rapport aux axes routiers qui sont au niveau de la commune, qui ne sont pas les axes reconnus par l'État central, avec les fonds FADEC, aménagement des pistes rurales, nous allons nous atteler pour que ces coins-là puissent être reliés, les ouvrages de franchissement puissent être construits pour que vraiment les populations puissent circuler normalement. Alors, je sais, sur cette émission, j'ai déjà reçu près de 3 maires et il y a un problème qui s'est toujours posé. Il s'agit du problème de la mobilisation des ressources propres. Est-ce que la commune de Ndalé est confrontée à cette même réalité où chez vous, vos populations sont payent librement leurs cotisations, leurs impôts et tout ça? Ou bien vous avez ce problème aussi? Nous avons ce problème-là, mais j'ai constaté que c'est la sous-information qui faisait que la population n'adhérait pas facilement au paiement des différentes taxes. Avec la commission des affaires économiques et financières, nous avons entrepris un travail. Nous avons fait la liste de tous les contribuables de la commune et rencontré les différents acteurs, les groupes organisés pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire, ce que la mairie doit faire et sur ce ils doivent payer leurs impôts. Ils ont tous adhéré.
Présentement, nous sommes en train de nous d'œuvrer pour avoir le répertoire même de ceux qui vendent l'essence sur la, comment, dans les bords de la, les abords de la voie. Vous voulez taxer le payeur, c'est ça? Vous voulez taxer le payeur? Oui, le payeur. Vous voulez amener eux aussi à contribuer au développement? Nous voulons les amener à contribuer au développement. Quelle sera la stratégie? La stratégie, c'est de les mettre en groupe organisé pour qu'ils puissent s'organiser dans un coin, en tout cas dans un endroit bien précis, pour qu'on sache que si tu vas dans tel endroit, tu peux trouver de l'essence ou bien du gasoil, mais pas éparpillé aux abords de la voie. Et ça ne participe même pas, ça ne participe pas à l'assainissement de la ville. Voilà. Donc nous avons ce problème là au niveau de, comment dit-on, des cotonculteurs. Nous avons déjà la TDL que nous collectons avec l'appui de notre président, du gérant UCOM. Oui. Nous avons vraiment pu mobiliser des ressources qui vont nous permettre quand même de booster le développement de la commune. Alors, qu'en est-il de l'éducation? On sait que c'est un secteur très crucial et très important. L'éducation, la construction des infrastructures, des salles de classe, de le mobilier. Alors, quelles sont les actions que vous comptez mener au cours de votre mandat dans ce sens? Comme je l'avais dit, avec l'appui du gouvernement à travers les fonds FADEC, nous sommes en train de construire des écoles au niveau de nos différents village. Les écoles sont construites et continueront par être construites parce que la population est en train d'augmenter. Et par rapport, le principal problème que nous avons, c'est le manque d'enseignants au niveau de la commune. Quand on voit le CEP, Ndali est presque l'avant-dernier au niveau de la commune, du département. Le principal problème, quand on a fait les discussions avec le chef de région pédagogique, c'est le manque d'enseignants qualifiés qui est à la base de l'échec de nos élèves au niveau de nos différentes écoles. Donc vous allez œuvrer à fournir. Nous sommes des en train d'œuvrer avec eux au niveau des différentes affectations qui seront faites bientôt pour que vraiment la commune puisse être dotée d'enseignants qualifiés pour vraiment corriger cet état de choses. Alors, Monsieur le maire, avant de continuer, nous avons une seconde rubrique, et rubrique focus, où nous allons au cœur même de la réalité des communes. Vous allez suivre ce reportage et nous allons revenir après. Les conseils communaux de Ndalé ont répondu présent à l'appel du maire Daouda Mere Saka ce jeudi 10 septembre 2020 pour assister à la troisième session ordinaire au titre de l'année 2020. 7 points étaient au menu des échanges, notamment celui de l'examen et vote du deuxième collectif budgétaire 2020 de la commune de Ndali relativement aux propositions d'action contre la COVID-19 en fonctionnement et investissement. Le gouvernement a mis à disposition de toutes les communes, notamment la commune de Ndali, des fonds liés à la gestion de la pandémie du COVID-19. Un montant de 47 943 004 francs a été mis à disposition et en collaboration avec le chef service déconcentré concerné, en l'occurrence le médecin-chef de la commune de Ndali. Nous avons fait la proposition des dépenses qui sont éligibles pour cette dotation. Nous avons retenu certaines actions que le médecin a expliquées aux différents conseillers pour que vraiment au niveau de la commune, nous puissions éradiquer cette pandémie avec cette dotation que le gouvernement vient de nous faire. Concernant le budget, c'est une augmentation de 1,87% par rapport au premier collectif. Ce collectif est de 1 503 990 719 contre 1 476 329 118 francs TTC. Le maire Daouda Mere Saka se réjouit de l'engagement participatif des élus communaux pour le développement de la commune de Ndali. Tous ont répondu présents. C'est la preuve que vraiment nous sommes tous engagés pour le développement de la commune. Et vous avez vu la qualité des échanges qui ont eu lieu, ont permis de nous donner la ferme conviction que tous nous sommes engagés pour le développement de la commune de Ndali. Je suis vraiment content pour la participation effective de tous les conseillers communaux. Tous les points inscrits à l'ordre du jour de cette session ont été adoptés à l'unanimité des conseillers présents. Prévu pour durer 2 jours, cette troisième session ordinaire de l'année en cours prend fin le vendredi 11 septembre 2020. Alors, fidèles amis téléspectateurs, retour sur le plateau. Vous avez suivi le focus qui a porté sur la session du conseil communal de Ndali. Alors, monsieur le maire, vous avez été désigné par le parti Bloc Républicain après un accord de gouvernance avec l'Union progressiste. Mais
Il y a également les forces corrompues Bénin Émergence au sein du conseil communal. Le développement de la commune, le développement de tous, dites-nous, quelle est l'ambiance? Bon, c'est vrai, nous avons vu à travers ce reportage que les conseils participent, mais comment vous arrivez à concilier cette pluralité de partis, d'opinions politiques et pour asseoir une harmonie pour le développement de la commune? Merci, monsieur le journaliste. Déjà, au lendemain des élections, après la signature de l'accord de gouvernance, la seule idéologie qui nous reste, c'est le développement de la commune de Ndali. C'est ce que tous les conseillers ont compris, et quel que soit le bord politique, si c'est le développement de la commune, c'est la priorité. Vous avez vu, au sein du conseil communal, le dernier conseil que nous avons eu, nous étions 25, tous les 25 conseillers étaient présents, et toutes les actions que nous avons mises comme de jour ont été votés à l'unanimité des participants parce que tous sont d'accord, tous sont pour le développement de la commune de Ndali. Ils ont adhéré facilement et vraiment l'ambiance était conviviale par rapport à ce premier essai que je viens d'avoir en dirigeant un conseil communal pour la première fois. J'ai vraiment apprécié la qualité des débats et les échanges que nous avons eus entre nous vraiment ont montré que tous nous sommes d'accord pour le développement de la commune de Ndali. Après les élections, c'est le développement de la commune de Ndali qui est notre première et action priorité. D'accord. Alors, le développement de la commune de Ndali, oui. Et ce développement passe certainement par l'assainissement, parce qu'on vous a vu tout récemment dans une séance de salubrité où vous-même, vous avez gardé la roue, vous avez gardé la pioche, vous avez nettoyé avec vos administrés quelques athées de la commune de Ndali. Pourquoi cette initiative, monsieur le maire? Oui, c'est pour montrer à la population que le pauvre a ce qu'il doit donner. On ne va pas tout attendre du gouvernement. La décentralisation, c'est le développement à la base. Le gouvernement ne peut pas tout nous faire. C'est pour cela que nous avons donné cet exemple pour vraiment montrer à la population que même étant pauvre, on peut faire quelque chose en nettoyant nos affaires. Et rester au moins propre. Et rester propre, c'est ce que je veux dire justement. Et c'est cet exemple-là que j'ai voulu montrer en organisant, en décrétant chaque dernier samedi du mois, une journée de salubrité pour qu'on puisse nettoyer les principaux artères de la voie et même les différents axes. Que les pistes rurales où il y a des problèmes de franchissement, on s'organise entre villages pour vraiment assainir nos différentes routes pour permettre la mobilité du personnel et le transport, le transport des biens et des personnes. Okay. Alors, vous, ça veut dire que cette action ne sera pas la dernière? Non, et c'est une ça ne concerne pas que la ville de Ndali? Non, vous avez, quand vous avez constaté, on a fait à Ndali, au même moment à Bori, entre Marégourou et Témé, les gens sont en train de réparer la voie entre Wenu et Tamaro, la même chose est en train de faire. Et quand ils le font, comme c'est la main d'œuvre humaine que nous utilisons, on prend un tronçon. Oui. Ce week-end, le week-end prochain, on prend un autre tronçon pour vraiment permettre la mobilité des personnes. Ah, oui. C'est ce qu'on a commencé par faire. Vous allez voir, même le dimanche prochain, ça sera fait entre Wenu et Ndali. Et entre Bori et Marégourou, ça doit être aussi fait. C'est comme ça que nous sommes en train du côté de Bégourou aussi pour permettre le transport des marchandises et des personnes. D'accord. Nous vous souhaitons beaucoup de courage, monsieur le maire. Merci, monsieur. C'est vraiment une très belle idée qui ne demande pas faire école dans les autres communes pour que nous parvenions à instaurer une certaine salubrité au sein des communes. Monsieur le maire, j'aimerais que vous savez, au nom des actions que vous avez citées tout à l'heure, vous avez toujours parlé du gouvernement. J'aimerais savoir, est-ce que actuellement dans la commune de Ndali, il y a des actions du gouvernement en cours et qu'est-ce que vous aurez souhaité de la part du gouvernement? Voilà. D'abord, je vais remercier encore le gouvernement parce que la semaine prochaine, ou bien même avant, après demain, nous aurons une session compte tenu du contexte COVID 2019 qui prévaut actuellement. Le gouvernement a mis à disposition des communes des fonds pour la gestion de ces fonds-là. C'est ces fonds-là qu'on veut intégrer dans nos prochains budgets pour éradiquer le mal au niveau de la commune. Ça, c'est une première action. C'est la première du gouvernement. Oui, c'est la première action du gouvernement. Là, ça va nous permettre d'acquérir des salles d'isolement, de construire des salles d'isolement, le matériel pour la gestion du matériel, pour le transport des échantillons. Oui. Tout ça là sera pris en compte dans cette action. Oui. Alors, à part ça, quelles sont les autres actions que le gouvernement a déjà menées dans la commune? Oui, j'avais parlé en temps de problèmes d'eau au niveau des communes, que ce soit au niveau de Ndali, de Boko et de Sonomo. Le gouvernement a envoyé
des entrepreneurs pour la construction des adductions d'eau villageoise. Et là, ce n'est pas seulement pour les villages, c'est pour vraiment plusieurs villages à la fois. Ça veut dire que c'est un grand investissement que le gouvernement est en train de faire pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Ça, c'est la deuxième action. La troisième action, c'est nous sommes en train de parler avec les différents ministres pour que les villages dont les poteaux électriques et les fils électriques sont déjà installés, pour que vraiment le gouvernement nous aide à lancer l'électrification au niveau de ces communes-là pour que les villages soient éclairés. La semaine passée, au niveau de Ala Fiaro, ils ont une ONG en partenariat avec le ministère des Mines et de l'Énergie à électrifier le village en panneaux solaires et a même mis à disposition de ce village des générateurs pour recharger plus de 1000 portables. Donc je crois que c'est des actions que le gouvernement est en train de mener qui vont permettre à nos populations d'être mieux dans leur village. Voilà, vous êtes un jeune maire, je me permets de le dire ici, parce que c'est une génération vraiment qui a le devoir d'accomplir une mission. Vous êtes adulé par les jeunes de la commune de Ndali, je ne vous l'apprends pas. On a vu la fougue après votre désignation à la tête de cette commune. Alors qu'est-ce que vous comptez faire pour les jeunes, monsieur le maire? Et pour la jeunesse, vous avez vu la dernière fois, notre première campagne de salubrité, c'est au niveau du stade municipal. Donc la jeunesse, c'est le sport. Nous comptons vraiment faire revivre le sport au niveau de Ndali. Quand en temps on parlait de Kerry FC, ça, pour ceux qui connaissent, savent que vraiment c'était une équipe forte. Je crois qu'avant la fin de notre mandature, le Kerry FC va renaître de ses cendres. Nous sommes en train de les atteler, déjà les entraînements ont commencé et avec l'appui de certaines personnes dont je ne vais pas citer les noms ici, qui sont déjà à pied d'œuvre. Vraiment, je crois que d'ici là, vous allez entendre parler de la jeunesse au niveau de Ndali. En plus, vous avez un centre de formation en construction. Ce qui est en train d'être construit. On ne peut pas avoir un centre de construction à côté et ne pas avoir une équipe forte. Ça, c'est ça le problème. Alors, fidèle ami téléspectateur, l'émission est vraiment intéressante que nous n'avons pas vu le temps passer. Mais je vais laisser monsieur le maire faire une conclusion. Vous allez dire votre mot de la fin. Vous adressez peut-être à vos administrés en regardant droit dans cette caméra, à vos administrés, aux autorités, au plan national. Et ainsi sera votre mot de la fin. Oui, vraiment, monsieur le journaliste, je vous remercie pour cette émission. Mes mots de remerciement, c'est à l'endroit d'abord du gouvernement par rapport à tout ce qui est fait par rapport au niveau de la commune de Ndali, les différentes actions qu'il mène au niveau de la commune. En plus, remercier la tutelle parce que nous sommes une nouvelle équipe peu expérimentée, mais avec la tutelle qui nous appuie par les conseils, vraiment, nous sommes en train de voir que nous serons à la hauteur de la tâche et que cet appui-là ne s'arrête pas en si bon chemin. Aux côtés de mes populations, l'engagement qu'ils ont pris, je leur demande de continuer à s'engager de la manière pour que vraiment on puisse pousser le développement de la commune de Ndali. Alors, rien n'importe que le développement de la commune de Ndali. Nous le retenons avec notre invité qui est le maire de la commune de Ndali. Il s'agit de Saka Mere Daouda qu'on a reçu sur ce numéro de votre émission Au cœur de la décentralisation. Merci de nous avoir suivis. C'est très simple pour suivre l'émission. Allez sur notre page YouTube, tapez Dabarou TV. Vous avez votre émission, vous avez tout notre programme sur YouTube, sur notre page Facebook et sur notre site internet. Nous avons également une application mobile, Dabarou Mobile, disponible sur Play Store. Merci de rester Dabarou TV. À bientôt.